Donc déjà, est-ce que je prends un mec ou est-ce que je prends une meuf? On va pas se mentir que je trouve le mec un petit peu random et que la meuf je la trouve assez choupie. C'est parti. Akeyette, bon vas-y, on va l'appeler Akeyette, c'est parti. Ça va être l'histoire d'Akeyette dans le monde merveilleux de Galar où c'est le bordel. C'est vraiment, c'est le zoo, hein, c'est le zoo. C'est parti, je découvre le jeu. Let's go. Je sais rien, j'ai jamais regardé aucun let's play. Je ne sais rien du jeu, rien, nada. J'ai mis un mode qui améliore la qualité aussi normalement. Un très cher public, bienvenue à cette célébration du merveilleux monde des Pokémon. Yes, bravo. Et Galar où tout le monde vit dans le respect, Galar blablabla. Galar où il n'y a pas le coronavirus. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je le découvre, je l'ai jamais vu lui. Des créatures sont partout autour de nous, dans la mer, les airs, dans les villes, dans nos campagnes. Dynamax. Tout de suite. Oui, la femme service de Dragonfeu. Incroyable. Oh mon mouton, il est trop cute. Le Tarak, il aura jamais Dracofeu, hein. Vous ne verrez jamais le Dracofeu Dynamax. On l'a vu maintenant. J'espère que vous avez aimé. On le reverra plus jamais. Merci d'avoir participé. Je trouve que le jeu est bien plus beau que ce que j'avais vu. Mais parce que j'ai amélioré les textures, j'ai mis un mode. Déjà, j'ai enlevé les traits. Donc du coup, les modèles sont beaucoup plus beaux. Et j'ai augmenté les textures, c'est plus... J'ai modé. Parce que sinon, c'était dégueulasse, le jeu. Et rentre chez moi comme ça, ce connard. Où je me monte, il a fini à rouler boulet. T'as un nouveau téléphone, Akeyette. Oh mais j'ai aucune street cred. Regarde, aucune street cred, il arrive. Hé, Akeyette. Hé, Akeyette. Oh non, c'est terrible. Alerte MILF quand même, je veux dire, la Mother, elle est MILF tiers, non? Du coup, je vais en profiter maintenant pour résumer qu'est-ce que ce Nuzlocke va avoir de spécial. Donc en fait, on en est au stade où c'est carrément une ROM hack, hein, limite, ce que j'ai fait. Oh là là, c'est incroyable, je joue à Pokémon Épée en 2020. Après tout le monde, c'est totalement fou, j'en reviens pas. Donc tous les Pokémon, absolument tous les Pokémon sont randomisés, que ce soit les Pokémon des dresseurs, les Pokémon dans les hautes herbes et les Pokémon des terres sauvages. Mais ça veut dire que je peux tomber sur un légendaire dès le début. N'importe qui veut dire, c'est randomisé de A à Z, hein, y a pas, c'est le bordel. Ensuite, les talents et les attaques des Pokémon sont randomisés. C'est-à-dire que, je sais pas, le Dracofeu peut faire un hydrocanon, ce sera normal, d'accord? Et il pourra avoir turbo, tout ce que vous voulez. Voilà, tout est randomisé. Donc les dresseurs sont aussi plus forts, ils ont une meilleure intelligence artificielle. Donc ils vont être plus balèzes, ils vont utiliser leurs Pokémon intelligemment. Ils ont tous leurs Pokémon à IV31 maximum, donc tous leurs Pokémon sont ultra parfaits. Et tous les niveaux de tous les Pokémon, que ce soit les Pokémon sauvages ou les Pokémon des dresseurs, sont boostés avec un multiplicateur de 1,25. Donc au début, ça se verra pas beaucoup, mais plus ça va, le jeu va aller en avant, plus ça va progresser, plus les Pokémon auront beaucoup plus de niveaux d'avance que nous. Ensuite, on a des Pokémon qui ont des skins différents, et le multi-exp donne moins d'XP aux Pokémon. Donc normalement, c'est 100% pour tous les Pokémon. Là, c'est 100% pour le Pokémon au combat, et 60% pour les autres. Donc du coup, on part sur quelque chose de difficile. Après, au niveau des règles du Nuzlocke, je me laisse la possibilité de perdre le premier combat contre le rival parce que ma copine l'a fait, apparemment c'est ultra dur. Donc vous voulez pas que le let's play s'arrête au premier combat. On fait la course jusqu'à chez moi. Le dernier arrivé, t'as un escargume. Nabil, trop drôle mon pote, yes. Allons-y, main dans la main. Eh mais c'est le connard, il est parti avant moi. C'est là, c'est chez Nabil ici. Nabil. Ouais, ouais, c'est bon, on va voir ton frère. Mais gros, arrête de bouger, il me parle, c'est une pile le gars. Putain, mais Jérôme, dis-moi, j'ai chez moi, je vais chez lui, il fait ok, viens avec moi à la gare, gros. Doucement. On a le temps, hein. Mec, c'est incroyable, genre, doucement. Un Dracofeu Power. Alors, j'ai le choix entre ce et vous. Chandelure, je crois que ça s'appelle Chandelure, et le Pokémon au milieu, je ne le connais pas. Voilà. Voilà, c'est un mélange de Typhlosion et de Soulager. Un Muna. Ok, le random Nuzlocke commence, les gars. Il est badass quand même, hein. Mais je sais même pas il est quel type. Fais gaffe, ok, j'ai deux Pokémon. Ouais, ouais, super. Ah, je suis de type sol. Quel est mon type? Attends, si je dis type poison, je suis foutu, hein. Électrique poison. Je suis foutu. Bah, t'attaques type... Ok, c'est bon, il a... Si, c'est petit, ça, c'est petit, non. Ah, on a le chétan. Ok, on a donc son premier Pokémon. Coup critique, let's go. Ok, attends, il est de type sol spectre, lui. Lui, il est de type sol spectre. En vrai, je le remets un trépidement. Hein. C'est l'attaque qui fait le plus de dégâts. Je vais pas m'amuser à mettre un Darvenin. Par contre, attends, mec, j'ai deux types. Mec, je prends fois 4 au sol. Non, mais fais pas une attaque seule. C'est la merde. C'est la merde. Mais je tente pas de coup de boue. Sur un malentendu, je lui mets un crit ou un truc comme ça. Tu vois, dans le combat, il est pas fini. Mec, j'ai bon, moins 20 en précision. Vas-y, chève-le, s'il te plaît, chève-le. Non. Yes, j'ai perdu le Nuzlocke. Merci d'avoir suivi cette aventure formidable jusqu'au bout. J'espère
J'espère que vous avez apprécié le random Nuzlocke sur Pokémon Épée. Merci d'avoir suivi le live, abonnez-vous, mettez des pouces bleus. Bon, qui a parlé de Nuzlocke? Personne. Personne n'a parlé de Nuzlocke. Le premier combat, je l'ai gagné. Fuck it. Mais qu'est-ce qui quoi? Mais qui cavale, Nabil, ça me fait trop rire. Mais le Momouton, il a défoncé la barricade. Mec Ninja, il est où le Momouton? Momouton! Non, attends, plutôt comme ça. Momouton! Vous pensez qu'il m'a entendu? Il m'a entendu! Nabil! Nabil! Reviens! Nabil! Momouton! C'est Zacian? Pourquoi on dirait Zacian sans l'épée avec la saturation au minimum? Gros, fuis. Mais que se passe-t-il, vous pouvez... Mais non, non, j'ai un Nuzlocke, moi! Il va me soulever? Crache-le dessus! Ça fait rien! Est-ce que c'est le deuxième game over? Il est mort? Je suis mort? Il a mangé Nabil? C'est triste parce que ce Florbino n'existe pas, en fait. Il est là, mais il n'existe pas. C'est une illusion. C'est comme ça, sûr, c'est qu'une illusion, il est pas là. Il existe même dans nos cœurs, c'est tout. Donc, tout le monde voit un Florbino, mais ce n'est pas un Florbino. Florbino est mort. Florbino is dead. Bon, bah, pas de Pokémon pour la route 1, les amis. Pas de Pokémon pour la route 1, yes, j'adore ma vie. C'est quoi ça? Oui, c'est quoi ça? Un Bibichu? C'est quoi ce truc de... C'est ce truc moche? C'est quoi ça? Un Frisoni? Putain, mais pourquoi je suis tombé sur un Nuzlocke que j'ai one-shot alors qu'il y avait plein de Pokémon qui ont l'air cool? T'as dit que Bibichu est moche et maintenant tu le veux. Non, au début j'ai été étonné, je le trouvais un peu moche, mais finalement je me suis rendu compte qu'il était cute. Il y a que des Pokémon cute sur cette route. En vrai ça va, le jeu est pas dégueu. Je veux dire, les décors sont sympas. Le seul truc que je lui reproche, c'est les animations. C'est vrai que c'est un peu... Là, là tu vois, il y a pas d'animation, genre il est en mode... Genre il saute comme ça, bon... Les animations... Quoi? Wesh! Oh. Non, je perds pas le Nuzlocke, hein. Oh, on sent que c'est un rose bouton. Non, mais vous imaginez, j'aurais capturé un rose bouton? Rose bouton flamme croix? Wesh! Oh, j'ai eu peur! Mais heureusement que c'est un rose bouton qui m'a fait ça! J'étais mort sinon! Mais c'est terrible! On évite les rose boutons maintenant! On évite les rose boutons! On évite! Oh! Elle, j'en ai vu des fanarts passer sur elle, mais bref. Oh, j'ai pu attendre ma manette. Attention! Je regarde pas, je fonce! Est-ce que je suis passé à travers tous les Pokémon là ou pas? Je vous jure, je regarde pas! Ah! C'est même pas une femelle, il peut même pas évoluer. Est-ce que je veux vraiment le capturer? Bon, ne le tue pas! Ne le tue pas! On prend un deuxième Pokémon, putain. Il me lance pas une attaque de malade, ma pitrini. Déjà, il a vampirisme, c'est pas mal. Ah, il est poison. Ok, on va le capturer plus facilement, là. Exécution, c'est quoi, ça? Wesh, ok, ça faisait plus peur. Ok, c'était plus... Ça faisait plus de peur que de mal, ok. Let's go! Mais j'ai pas le choix, c'est le premier Pokémon de la zone, en fait. Allez, Apitrini, allez, on a besoin d'un Pokémon, donc tu vois, on va peut-être jamais t'utiliser, mais c'est pas grave. Allez! Ouais, bravo! Yes, Apitrini! Et dans la poche, les amis! Incroyable! On va l'appeler... Mayo. Vous vous demandez très certainement pourquoi je veux l'appeler Mayo? Parce que je pensais à Maya l'abeille, mais comme c'est un mâle, bah on va l'appeler Mayo. Voilà. Yes! Oh, mais gros, j'aurais pu avoir une secrète! Mais d'où je suis tombé sur le random Apitrini là? Candine. Ok, du coup là on fait triplement et on la baise, normalement. Mec, on a Soulasion, on a Mayo. Attends, elle meurt là? Eh mais allez. Oula! Oula! Yeah, ça fait mal, hein! Les stats de Mayo. Mayo. Dis-moi la vérité. Mayo. Tu es insecte vol. Cherche miel. Mais ton talent n'est pas randomisé, connard. Okay. Apitrini colère. Apitrini colère. Ça se trouve on fait le malin, on fait les fous. Ça se trouve Mayo, il va carry toute la team, hein. Apitrini colère. Mayo possède colère. Heureusement qu'il l'a pas fait, hein. Et s'il avait fait colère, je serais peut-être mort.
Mais j'aurais perdu le Nuzlocke sur le Apitrini en fait s'il avait fait colère. Je pense. Thank you.